Le StoryKit Pocket de VTech est donc un conteur d'histoire interactif et portable en forme de petit lapin, préconisé pour les enfants de 3 à 8 ans. Il est très riche, complet, plus de 100 histoires et chansons, avec des blagues, jusqu'à 50 minutes d'enregistrement et la possibilité d'en télécharger deux nouvelles grâce à l'application. Ce qui est hyper sympa, c'est qu'il est donc sans ondes et sans écran. Avec son petit nez tout mignon, c'est la possibilité d'enregistrer 5 pistes de 10 minutes chacune. Moi, je me suis même permise de souhaiter une bonne nuit à ma façon, à ma fille. Bonne nuit, ma bébé. Tu éteins la lumière maintenant, hein. Je t'aime. Vous avez la possibilité d'écouter des blagues. Nous l'avons choisi en gris, mais il existe aussi en version fuchsia. Les éléments du visage ou encore la queue sont en fait les boutons qui vous permettent de sélectionner ce que vous voulez. Le volume est très simple à régler et vous avez même la possibilité de brancher un casque. Une fois que vous avez fait le tour des 3h30 de contenu, vous avez la possibilité de brancher votre StoryKid à un ordinateur, de vous connecter à la plateforme de VTech pour télécharger de nouvelles comptines. Fonctionnalité hyper sympa aussi, avec un petit pense-bête ici pour l'activer, c'est que vous pouvez choisir le soir une mise en veille automatique au bout de quelques histoires, comme ça l'enfant a juste à écouter et à s'endormir paisiblement. Voilà, donc petit bilan sur le StoryKid. Nous l'avons clairement adoré, n'est-ce pas Evie? Grâce à sa richesse de contenu, 3h30, c'est vraiment intéressant, avec en plus la possibilité d'en retélécharger, puis également d'enregistrer. Il est vraiment hyper simple d'utilisation, ça c'est un vrai plus. Evie, à 3 ans, a de suite compris comment il fonctionnait. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en plus des petits pense-bêtes, quand vous choisissez une fonctionnalité, il vous rappelle comment valider, comment enregistrer. Et ça, c'est super sympa parce que si on a un petit trou de mémoire, on n'a pas besoin de reprendre le petit fascicule d'utilisation. Il est tout petit, tout mignon avec sa hanse. Il est très facile à emporter, donc c'est vraiment le compagnon idéal à emmener partout, chez les grands-parents ou en voiture. Il est vraiment sympa.